Europe 1 8h05. Et voici Jérôme Commandeur sur Europe 1. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin justement de vos humeurs qui comptent nous faire monter au 7e ciel. Mais au moins. lu dans vos journaux ce matin, l'A350 décolle, le petit frère de l'A380 donc, inauguré il y a déjà 8 ans, décollera à 10h de la colline de Cornebarieux, aéroport Toulouse-Blagnac. Un beau bébé de 115 tonnes, pour lequel on attend des officiels bien sûr, mais aussi des passionnés qui vont voir le même avion atterrir et décoller et atterrir plutôt en l'espace de 4 heures au même endroit. Alors c'est normal, hein, c'est un vol d'essai, ici pas de panique, hein, c'est prévu, les gens vont le sourire. Là où c'est plus embêtant, c'est quand l'avion décolle et atterrit au même endroit, mais que c'est pas prévu. Donc, bonjour à tous. Here is your captain crew, Michel Mouilleron. Nous décollons actuellement de Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle hein, pour atterrir à Roissy-Charles-de-Gaulle hein, dans 2 minutes, car nous avons un réservoir en feu. Ah ben arrête, des incidents on peut en faire d'autres, Julie, alors on continue. Pour Julie, bonjour à tous, Irisior Capitaine Crew Didier Pied-Marron. Nous cherchons à atterrir sur Marseille-Marignane le plus vite possible, car nous n'avons plus de kérosène. J'ai appuyé un peu fort sur le champignon, le mushroom. Donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Ah, on me fait signe que nous ne pouvons atterrir sur Marseille car l'espace aérien est encombré. Donc nous tournons au-dessus de l'aéroport. J'espère pas trop longtemps car je le répète, à la tour de contrôle, je n'ai plus de carburant. On a tout sucé. Voilà, bonne nouvelle. Je vous livre les informations telles qu'elles me parviennent. On me fait signe que l'espace aérien de Copenhague se libère. Donc no gas, je ne sais pas dans quelle langue vous le dire. Je reçois le message écrit, un rafale de l'armée de l'air va venir nous ravitailler en vol. Très bien, je ne connaissais pas la procédure. Il va se poser sur nous et les réservoirs vont se connecter. Voilà, donc chance de réussite nulle, hein, je lis dans le manuel papier. Donc bon vol à l'A350 et pour tous ceux qui aiment voir décoller les avions, quittons-nous sur un dimanche à Orly de Gilbert Bécaud. Bon souvenir des années 60, non, c'était quand ça. Merci beaucoup, Jérôme Commandeur.